Alors, Lance Troll, qu'est-ce qui devient Lance? Il est interviewé. Après, avec un grand sourire, Stroll a déclaré qu'il avait même pris de lourdes mesures pour éviter une blessure pendant la pause hivernale. Bravo, mon appartement est empilé avec des oreillers. Je n'ai pas le droit d'en sortir. Qu'est-ce qu'il est drôle, Lance. Qu'est-ce qu'on se marre. J'ai le droit d'aller courir, en fait. Personne ne m'a dit ça, mais je pense qu'on vit et qu'on apprend tous les jours. Alors je vais courir, je fais attention à ma démarche pendant que je cours. Pas de torsion de la cheville, rien de tout ça. Juste, tu sais, courir d'un pas droit. Et je fais attention à mes membres. Je prends soin de mes membres. Et je veux passer les tests de Bahreïn cette année. C'est le plan. La saison dernière, il a dû faire l'impasse sur ses journées d'essai. Le pilote de réserve Drugovic avait son travail. On doutait à l'époque que Stroll serait prêt à temps. Après, ça te fait casser le poignet, donc. Du coup, voilà. Bah, passionnant, hein, ces interviews à Lens. Voilà. Que dire d'autre, à part que ce pilote est... Est-ce qu'il a encore sa place en Formule 1? Bon, on va attendre de voir 2024, peut-être qu'il va se réveiller. Mais 2024 va être une saison cruciale pour lui. S'il se fait encore atomiser par Alonso, il faudra en conclure qu'il n'a plus sa place en Formule 1. Lance, quel est votre avis sur ce pilote?